7, 1 à 28, puis on ira voir le chapitre 8. Je vous dirai, on va faire quelques versets comme cela. Donc, Esdras, chapitre 7. Verset 1. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seradja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zerakza, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phinès, fils d'Eliasa, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone, c'est un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des néticiens, vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Je donnais ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison de Dieu, du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néticiens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier aussi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. On va juste tourner la page, chapitre 8, les versets 21 à 23. 21 à 23, on commence le voyage en fait. Là, près du fleuve d'Ahava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu
et il nous exauça. Et encore un tout petit peu plus loin, verset 31-35, nous partîmes, hein, donc il y a une petite pause là auprès du fleuve d'Ahava, et puis partent. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem, nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Méromoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinès, et avec lui et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit par le nombre, soit par le poids, on mit par écrit le poids de tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victime expiatoire, le tout en holocauste à l'Éternel. Je voulais tout lire parce que je voulais avoir un peu l'ensemble de ce voyage que va faire Esdras. Il y a un petit refrain qui revient de temps en temps. Vous n'avez pas entendu ? La main de l'Éternel était sur moi ou sur Esdras. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu un peu lire tous les passages où il était dedans. Et c'est évidemment le titre du message. La bonne main de Dieu était sur Esdras, son serviteur. Juste pour replacer le contexte, on est après les 70 ans d'exil. Hein. Vous vous souvenez qu'à cause du péché d'Israël, le peuple va être déporté pendant 70 ans à Babylone. Partie va rester, mais la grosse majeure partie va partir à Babylone. Et là, on est dans la période de retour en Israël avec Néhémie et Esdras. Hein, les deux livres, il faudrait en fait les étudier ensemble parce que ça travaille en même temps. Au moment où on est là, le temple a déjà été reconstruit malgré toutes les difficultés. On peut lire ça dans Néhémie, mais on ne va pas le faire maintenant. Malgré les difficultés et les oppositions, le Seigneur a permis que le temple soit reconstruit. Et là, Esdras maintenant va pouvoir rentrer à Jérusalem. Et la question que je me posais, et c'est pour ça que je voulais tout lire, c'est comment il va monter son projet, en fait. Il aurait pu dire, ouais, ça fait 70 ans que j'étais en exil, les gars, j'en ai marre d'être loin de chez moi, maintenant je pars, je m'en fiche de tout le monde, je trace, comme on dit. C'est pas ce qu'il va faire. Il va poser les choses, il va monter son projet. Et là, il y a des leçons pour nous, évidemment, comment nous-mêmes, nous montons nos projets. Est-ce qu'on y va avec précipitation? Est-ce qu'on prend le temps de poser la question à Dieu, de prier, etc.? Ou est-ce qu'on fonce? Parce que de toute façon, nous, on sait tout. Esdras va nous montrer plusieurs choses. Il faut savoir qu'entre le chapitre 6 d'Esdras et le chapitre 7, hein, si vous avez l'occasion de le lire, vous avez l'histoire en fait d'Esther. On avait étudié Esther il y a quelques temps, donc entre les deux, on parlait du livre d'Esther. La mission d'Esdras, première chose, alors qui est Esdras, hein, il le dit lui-même, c'est un descendant des sacrificateurs de Tsadok et Phinéas. Il était scribe et aussi sacrificateur. Un scribe, c'était un archiviste, un secrétaire ou un écrivain. Il était quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui savait lire et qui savait aussi enseigner la parole de Dieu. Les circonstances du retour, je l'ai dit, on était après les 70 ans de déportation, retour du peuple à Jérusalem qui était promis par Dieu, par exemple par d'autres prophètes. Tu peux m'appuyer juste sur... on va faire un petit récap. J'espère que ce n'est pas trop petit. Alors, juste pour se situer dans l'histoire, hein, en 538, il y avait l'édit de Cyrus qui va permettre de reconstruire le temple. Puis en 536, on va poser les fondations de ce temple-là. En 520, après, il y aura des interruptions des travaux parce que, ben, évidemment, le diable ne veut pas qu'on refasse la maison de Dieu. En 520, on se retrouve à reprendre les travaux. Si vous connaissez un peu les livres de Hagé, il y a Hagé qui les bouge un petit peu parce qu'il est temps de s'y mettre. Hein. Et en 516, on est à la fin des travaux. Et là, en fait, on va se retrouver 57 ans plus tard. D'accord ? Il y a quand même 57 ans, c'est long. Et c'est là où se situe à peu près l'histoire d'Esther, on pense. On va revenir sur l'autre, si tu veux bien. C'était juste pour vous remettre un peu tout ça dans la tête. Il y a une interrogation écrite à la fin, évidemment, pour savoir les dates. Hein. Donc on est 57 ans après la reconstruction du temple, il y a quand même du temps qui s'est passé, on a l'impression des fois que le temple a été construit, les murailles, et tout de suite tout le monde rentrait, non, ça s'est fait progressivement. Et on était à la 7e année d'Artaxerxès. Et curieusement, le roi va laisser partir le peuple, enfin curieusement, c'est Dieu qui décide de tout, c'est pas Artaxerxès évidemment, mais Dieu s'en sert. Et il va proposer, hein, le roi Artaxerxès, à ceux qui voulaient rentrer parmi le peuple, parmi les sacrificateurs, tous ceux qui voulaient rentrer à Jérusalem pouvaient le faire. De nouveau. On ne sait pas exactement la raison pour laquelle, d'un seul coup, Artaxerxès s'est dit, allez, vous pouvez rentrer. Hein.
Peut-être que Esdras l'avait demandé, Némi fera une petite demande, mais là il n'est pas dit qu'Esdras ait demandé directement. Peut-être dans le chapitre 7, verset 23, il y a une réponse. Il dit que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Peut-être qu'à force d'être à proximité d'hommes de Dieu, et il a eu pas mal de gens qui ont parlé de l'Éternel, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, il faudrait peut-être faire attention, parce que quand même Dieu a révélé les sons, puis a fait ci et ça, peut-être que je n'ai pas envie d'attirer sa colère sur moi, en gardant encore un peu plus son peuple. Alors, c'est une supposition, évidemment. Il ne veut pas que la colère de Dieu éclate sur lui et sur son royaume. On verra bien au ciel quelle était la vraie raison. Et il y a des objectifs à ce retour. Il y en a quatre, au moins. Le premier, c'est, on voit ça au verset 14, c'est d'inspecter Juda et Jérusalem. Donc le but d'Ezra, c'était rentrer à Jérusalem. Ce n'était pas pour prendre des vacances, d'accord ? C'était pour quatre objectifs. Le premier, c'était de faire une enquête civile et religieuse sur les conditions des Juifs. Vous voulez savoir comment ça se passait là-bas. Hein, mais aussi pour exhorter le peuple à obéir à la loi, à la parole de Dieu. C'est là où je me suis dit, c'est quand même curieux que Artaxerxès, premier objectif, c'est d'encourager le peuple d'Israël à obéir à la loi de Dieu. C'est bizarre pour un païen, non? C'est comme si votre patron ou un collègue de travail complètement païen, eh bien, il faut que tu lises la Bible. Mais alors regardez, bizarre, non? C'est curieux. Bon, après ça, c'est le Seigneur qui fait les choses. Hein. Bon, il avait un peu touché du doigt ce Dieu-là, mais de là à vouloir que les autres obéissent à la loi, je ne sais pas. Deuxième objectif, c'était apporter de l'argent, et pas un petit peu. Hein. Il y avait là les dons du roi, et il y avait sept conseillers qui allaient accompagner Esdras. Et, hein, on avait énuméré tout à l'heure les dons du roi. 100 talents d'argent, ça fait environ 3 tonnes d'argent à trimballer. Il n'y avait pas les trains à ce moment-là. Hein. 100 corps de froment, ça fait 22 000 litres ou 30 000 kilos de blé. Pas rien. 100 battes de vin, c'est environ entre 2000 et 4000 litres, en fait. 100 battes d'huile, c'est entre 2000 et 4000 litres hein, d'huile à trimballer. Le sel à discrétion, dont il parlait tout à l'heure, c'est peut-être, il faudrait plutôt dire, d'arbitre à lui, sans prescription de quantité. C'est-à-dire tout le sel qu'on peut ramener, on va l'amener avec nous. C'était utilisé pour conserver les aliments à l'époque. Et au total, avec les dons du peuple, il y avait 650 talents d'argent, ça fait environ 20 tonnes. 100 talents d'ustensiles, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, c'était 8 kilos, 2 vases d'un bel airain et tous les ustensiles encore du temple. On ne part pas faire un voyage comme ça avec tout cela en se disant surtout qu'à l'époque, il y avait des voleurs. C'est pour ça qu'il a hésité à demander au roi de l'aider, mais il avait un sacré podium derrière lui et qu'il fallait trimballer jusqu'à Jérusalem. Intéressant aussi qu'on voit que quand tout cela va arriver à Jérusalem, les trésoriers ne pourront pas prélever d'impôts. Tout ça, c'était pour Dieu, d'une certaine manière. Et il n'y avait pas d'impôts. C'est chouette quand il n'y a pas d'impôts, n'est-ce pas? Troisième objectif, autoriser de nouveau le sacrifice et le retour des ustensiles du temple. Hein. On voit au début que quand Artaxerxès a envahi Jérusalem, il a amené une bonne partie de ses ustensiles, je crois même tout. Et là, il permet que ces ustensiles, c'est tout ce qui était utile au sacrifice hein, dans le temple, toutes ces choses-là pouvaient revenir à Jérusalem. Ce n'était pas encore le cas, parce que quand Zorobabel et tous ceux qui avaient construit le temple, ils n'avaient pas encore tout pour pouvoir vraiment bien faire les sacrifices et tout dans le temple. Et là, maintenant, c'était possible grâce à ce retour. Et tout cet argent qui est offert va servir à acheter des taureaux, des béliers, c'est-à-dire à faire tout simplement les sacrifices que la loi exigeait. Quatrième objectif, établir des juges et des magistrats. Hein, c'est une société qui se remettait tout doucement en place et il fallait évidemment qu'il y ait la loi, qu'il y ait des juges qui fassent autorité ici et surtout des gens qui connaissent la loi de Dieu. Et là, quand il disait si quelqu'un désobéit à la loi de Dieu, il était mis à mort. Alors, de Dieu et du roi, il y avait les deux. Je pense qu'il y avait autant politique que religieux. Il était mis à mort, soit il était banni, soit il avait une amende ou en prison. C'est intéressant de se dire si je désobéis à la loi de Dieu, il y a une conséquence derrière. Nous, des fois, on pêche tranquillement, ça ne pose pas trop de problèmes. Il y a des conséquences derrière. La réaction d'Esdras, il aurait pu se dire, « Waouh, j'étais bien, moi, à Babylone, hein, les gars. » Parce que souvent, il s'était déjà bien installé. Mais lui, il accepte la mission et il va louer le Seigneur, hein, verset 27-28. Quand il apprend que le retour est possible, il est plein de reconnaissance. Je ne sais pas, imaginez que demain, on vienne, on vous déracine de chez vous, on vous prend vos maisons, tous vos biens, et on va vous faire habiter en Corée du Nord pendant 70 ans. Qui veut y aller? Personne? Ah, c'est curieux, hein. Et qu'au bout de 70 ans, si vous êtes encore vivant, parce que 70 ans, c'est dommage,
on vous dise, vous pouvez rentrer enfin à la maison. Imaginez le soulagement et la joie qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et justement, lui, il va exprimer cette joie. Et il va louer la souveraineté de Dieu parce qu'il reconnaît que lui n'a rien fait. Il reconnaît que, et comme les prophètes l'avaient dit, c'est qu'à un moment, Dieu permettra que le peuple rentre de nouveau. C'est un peu comme si j'étais déraciné en Corée du Nord, comme je disais tout à l'heure, et que j'avais une prophétie qui disait qu'au bout de 70 ans, ben, je rentrerai, et qu'au bout de 70 ans, je vois la prophétie s'accomplir. C'est extraordinaire, hein, quand on y réfléchit. Même si ça dure un petit peu plus que 70 ans, mais là, il faut étudier Zacharie. Mais quand je vois les prophéties de Dieu s'accomplir à la lettre, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui l'a certainement réjoui, mais aussi de rentrer chez lui, évidemment. Il prône la bienveillance du roi, c'est-à-dire celle... Enfin, il prône la bienveillance du roi, et il dit, merci, un roi, c'est gentil, mais quelque part, derrière, il disait, c'est Dieu qui agit en toi. Et donc, il remercie Dieu aussi de cette manière-là, de ne pas les avoir oubliés en exil. Il y a vraiment une leçon pour nous, c'est que parfois, les épreuves peuvent durer très longtemps, 70 ans. Bon, là, ils ont morflé, c'est à cause de leur péché. Mais peut nous arriver dans notre vie qu'à un moment, on sente un peu en exil aussi, et comme si Dieu, bah, il est où ? Pas si ça vous est déjà arrivé, il est où Dieu ? Parce que l'épreuve dure, dure et dure, et à un moment, bah, on se pose vraiment des questions, où est Dieu ? Est-ce que Dieu est parti ? Quelqu'un ? Non. Ben non, il n'est pas parti. De toute façon, il est toujours là, il est omniprésent, donc il peut être que là, quelque part. Mais c'est moi qui ai l'impression des fois qu'il est parti. Et nos sentiments, eh ben, des fois, nous trompent. Entre le sentiment que je peux avoir par rapport à la présence de Dieu ou ben, son amour pour moi et la vérité, c'est-à-dire qu'il est là et qu'il m'aime, il faut parfois bannir nos sentiments. Pas facile, hein, les sentiments, hein. C'est très trompeur. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, dites-vous, c'est mes sentiments qui me trompent. Jetez tout ça. Ce n'est pas qu'il s'agit de devenir froid et comme une pierre, on est bien d'accord. Mais peut-être remodeler ses sentiments par rapport à la vérité, par rapport à la parole de Dieu. Dieu est bien là, Dieu m'aime, et s'il permet que ça dure, c'est qu'il veut que je grandisse. J'en ai besoin. En tout cas, pour Esdras, hein, tout cela rend gloire à Dieu. Et il rend gloire à Dieu, mais il rend pas gloire à lui-même, parce qu'il aurait pu dire, vous voyez, Artaxerxès, hein, il a dit que c'est moi qui dois rentrer à Jérusalem avec tous ses trésors, allez, glorifiez-moi, gna gna gna. Non, il rend gloire tout simplement à Dieu, parce qu'il sait que tout ça, c'est le projet de Dieu. Et quand nous, on a des bonnes nouvelles, comment on réagit ? Il y avait intérêt, hein, que j'aille mieux, il y avait intérêt que j'ai trouvé du travail, il y avait intérêt, Dieu, que tout aille bien. Non, c'est comme ça. Souvent, on réagit un peu comme ça. Ben, peut-être Ezra nous donne une bonne leçon, là, c'est de s'arrêter et de dire merci. Merci Seigneur, de le louer. Pas juste le merci, il y avait, parce que le petit merci rapide, c'est vraiment, il y avait intérêt que tu trouves du travail, hein, mais d'être vraiment reconnaissant, de nous réjouir, de dire aux autres, regardez ce que tu as fait pour moi. On manque souvent de reconnaissance. Et c'est parce qu'on manque de reconnaissance souvent qu'on n'avance pas avec le Seigneur ou que la vie chrétienne semble un peu plate. Tout à l'heure, quelqu'un a prié pour la nourriture et remercié le Seigneur pour ça. On n'est plus reconnaissant pour notre steak. On a tellement l'habitude d'avoir un steak dans notre assiette. Là, tout à l'heure, quand vous allez manger, vous louez le Seigneur pour ça. S'il est bien cuit, évidemment. Mais ça, c'est votre faute. Mais cette reconnaissance a un effet sur Esdras. C'est ça justement, la reconnaissance, il se sent, comme il dit au verset 28, au chapitre 7, il se sent fortifié par la main de Dieu. Quand on est reconnaissant, on a presque envie de dire, on sent que Dieu n'est pas loin. La reconnaissance, ça donne beaucoup de force. Déprimé, ça ne donne pas des forces. Quand je râle, quand je me plains, quand tout ne va pas comme j'ai envie, quand on dit adieu, gna 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 gna, je commence à perdre mes forces. Par contre, quand j'ai de la reconnaissance, même quand tout va mal, hein, eh ben, j'ai beaucoup de force et le Seigneur me porte. Et comme lui, il faut de temps en temps prendre le temps de contempler ce que Dieu fait pour nous. Bon, là, évidemment, les circonstances, 70 ans d'exil, on peut rentrer à la maison, on prend le temps de contempler, de remercier Dieu, c'est clair. Hein. Mais dans les petites choses de la vie, je pense qu'il faut aussi le faire. Dieu a répondu, Dieu ne répond pas, c'est pas grave, il est présent, il m'aime, il sait ce qu'il est en train de faire. Je veux le remercier, je veux le contempler. Et c'est ça qui donne la possibilité d'être plus fort et de traverser aussi les épreuves de la vie. Le son qu'on peut retenir pour nous, c'est que l'histoire, quelle qu'elle soit, même si avec nos yeux, on se pose des questions des fois, l'histoire reste placée sous la souveraineté de Dieu. Quand elle a décidé quelque chose, ça s'accomplira. Un point, c'est tout. Son plan se déroule comme il veut, autant pour l'histoire, autant pour chacun d'entre nous.
hein, parce qu'on a notre histoire à nous, et Dieu a décidé que Emmanuel passait par là, là et là, etc., jusqu'au bout de sa vie, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il ait la foi, etc. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et si on ne veut pas aller là où Dieu veut nous emmener, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous emmène quand même, qu'on veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. Donc il y aura un temps de pause certainement, mais à un moment, il faudra quand même qu'on grandisse. Autre leçon, c'est savoir louer Dieu, on l'a dit, parce que ça fortifie l'âme. Si je suis toujours en train de me plaindre dans mon cœur, de ma vie, de ma pauvre vie de chrétien, déjà Dieu n'est pas content, mais en même temps, je ne reconnais pas Dieu, sa puissance, sa grandeur. Si je suis reconnaissant, je reconnais justement qui est Dieu et ce qu'il peut pour moi. Et ça, ça me donne de la joie. C'est pas du positivisme, hein, je n'aime pas ce genre de terme, mais c'est vrai. On disait vendredi, il y avait un pasteur qui me disait toujours, quand tout va mal, prends une feuille blanche, trace un trait au milieu, sur la partie gauche, tu mets tout ce qui ne va pas, tu mets sur la partie droite tout ce qui va bien, commencez à noter ce qui ne va pas, et vous commencez à noter tout ce qui va bien. Je suis sauvé. Wow, c'est pas mal d'être sauvé, hein, on parlait. Je vais passer l'éternité avec le Seigneur, finalement Dieu est présent, Dieu va m'aider, je sais que ça va finir. Et finalement, quand on essaie de mettre tout ça sur la balance, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Mais qu'est-ce que c'est bon de se plaindre, non ? Qu'est-ce qu'on aime bien lâcher les bras ? C'est tellement plus simple parce qu'on est des fois comme des enfants et on a besoin de son papa. Ok, mais Dieu veut qu'on grandisse aussi à un moment, qu'on devienne à la stature de Christ. Et pour cela, il faut le louer, ça fortifie l'âme. Et savoir que, dernière leçon, hein, toute épreuve, toute punition a une fin. Alors là, c'était une punition pour Israël, mais nos épreuves, qui peuvent aussi être parfois des punitions. Hein. Vous savez, si vous faites des projets, imaginons financiers, et vous ne posez pas la question à Dieu et que vous crachez financièrement, bah, à un moment, vous dites, j'aurais peut-être dû demander à Dieu quand même. Un peu une punition, il va falloir rembourser. Mais tout a une fin. Ça, c'est bon, savoir que tout a une fin. Alors, quand c'est une semaine, on se dit tout à une fin, ça va. Une semaine, on peut tenir, hein. Allez, c'est pas compliqué. Un mois, allez, ça c'est pour les plus vigoureux. Un mois d'épreuve. Vous êtes prêts à avoir un mois d'épreuve ? Vous regardez avec un gros de tête. Un an d'épreuve. 10 ans. 70 ans. Vous imaginez, 70 ans. C'est long, une journée déjà de travail, je me dis, alors 70 ans avec toutes les journées de travail derrière. Ouais, mais tout a une fin, parce que c'est Dieu qui commande, c'est lui qui gère tout cela. Et ça, ça doit nous rassurer pleinement. Et on va faire ça en musique en plus. Donc la joie du retour aurait pu se faire dans la précipitation. C'est ça que je veux mettre un peu en avant, c'est que l'excitation qu'il devait y avoir à ce moment-là de pouvoir enfin rentrer dans mon pays, mais ils auraient pu faire ça très vite. Enfin, Israël aurait pu faire ça très vite. Mais lui, il est posé. Et tout doucement, il va mettre les choses en place et il va se confier en son Dieu. Et il va faire ses préparatifs tout doucement. Hein. Ils vont commencer à partir. Ils vont s'arrêter pendant 3 jours hein, près du fleuve d'Ahava, qui était certainement un affluent de l'Euphrate. Il y va sans précipitation. Il commence tout doucement son voyage, s'arrête. Hein, et il va se préparer avec Dieu pour ce long voyage. Il va rechercher des sacrificateurs, il va rechercher les lévites comme il était demandé, il va chercher les serviteurs pour le temple. Il n'est pas pressé, il fait le job qu'on lui a demandé. Et au chapitre 8, on a vu tout à l'heure, il va publier un jeûne d'humiliation. Il ne part pas à fond en se disant « j'ai suffisamment d'hommes, etc. pour trimballer le trésor que j'ai derrière, j'ai envie de rentrer vite ». Il prend son temps, 3 jours d'humiliation pour faire un jeûne. Et ce n'est pas juste jeûner pour jeûner en disant « j'espère que Dieu va m'aider », mais il s'humilie devant Dieu. Un jeûne pour pouvoir faire un heureux voyage, il le dit lui-même. Il veut que les choses se passent bien parce qu'à l'époque, ce n'était pas les autoroutes avec péage, etc. Il y avait plein d'ennemis autour et il risquait de se faire attaquer. Il voulait un heureux voyage pour lui, pour les enfants et pour le bien du matériel. Il fait ce jeûne aussi pour montrer sa dépendance spirituelle à Dieu. Vous savez, quand vous arrêtez 3 jours, par exemple, et que vous priez parce que vous avez un projet, vous montrez à Dieu que vous dépendez de lui, que vous avez besoin de lui, qu'on a besoin de ce soutien de Dieu dans le projet qu'on est en train de monter. Souvent, on agit très vite, mais ou alors on va se dire, je vais prier, hein, une petite prière, vous connaissez la petite prière, Seigneur, aide-moi dans mon projet, amen. Voilà, c'est fait, j'ai mis les choses entre les mains de Dieu et je peux, allez, je fais tout de suite. Ok, faites comme ça, mais vous allez vous planter. Hein. Parfois, il faut attendre 3 jours, plus peut-être, mais montrez à Dieu que je veux sincèrement ton soutien, je veux sincèrement ta direction dans ce que je veux mettre en place dans ma vie.
Et Esdras refuse l'escorte du roi, hein, parce que comme il dit, sinon il avait honte de demander à Dieu de veiller sur eux, mais d'aller chercher l'escorte du roi en disant, bon, ben, le roi, il va me protéger mieux, quoi, en fait, quelque part. Il est plein de foi, il agit par la foi, et il croit que Dieu va pouvoir l'accompagner, et c'est ce qu'il fera, évidemment. Et donc, le voyage en lui-même, Emmanuel, tu peux appuyer, s'il te plaît. Petit encart, hein. Vous voyez, il faut en fait lire chapitres 7 et 8 parce que c'est un peu, pas vraiment chronologique, hein, mais on départ de Babylone le premier jour du 7e mois, hein, c'est dans Esdras 7-9. Ils vont camper pendant 3 jours près du fleuve vers Ahava, on a vu tout ça, hein, puisqu'il est dit que c'est le 9e jour du premier mois. Et puis le 12e jour, hein, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a 3 jours de halte, hein, du 9e au 12e. Au 12e jour et, du premier mois, ils partent et vont faire un voyage de 5 mois quand même, hein, 5 mois à pied. Et on arrivera à Jérusalem en 458, le premier jour du 5e mois, qui est le mois Av, dans le calendrier juif. Hein, c'est la 7e année du roi Artaxerxès. Juste un peu pour vous visualiser le voyage. Hein. On part quelques jours, on fait une halte, et puis on part définitivement pour un voyage de 5 mois. 5 mois où vous risquez de vous faire attaquer tous les jours, avec tout l'argent que vous avez derrière. 5 mois, ben, maladie, fatigue, etc. Ça faisait environ 1500 km à pied. Alors déjà, quand on doit aller au supermarché faire un kilomètre à pied aujourd'hui, nous, on prend la voiture parce que c'est trop loin. Mais 1500 km à pied, vous imaginez. Et ils partaient, pas tout seuls, hein, avec environ 5000 personnes, 1496 hommes environ et 258 lévites, et puis il y avait les femmes et les enfants. Ça faisait un sacré voyage. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, par rapport à la manière que Esdras a mis ce voyage en place, hein, ce que nous confions, nous, nos projets et nos voyages à Dieu. Je rajoutais les voyages, hein, parce que des fois, quand on prend l'autoroute, c'est bien prier avant. Hein. À moins que vous soyez prophète et que vous sachiez qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais moi, j'aime bien confier ma route au Seigneur, même si c'est les petites cours, les petites routes, hein, la N20, c'est dangereux. Hein. Est-ce qu'on prend le temps, des fois, de prier, de confier nos projets? Est-ce qu'on le fait sans précipitation? Ou est-ce qu'on est tellement pressé parce que le monde nous pousse un peu aussi derrière, quelque part, à consommer, etc. Est-ce qu'on pose des choses? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on attend le lendemain pour vous prier? Et pourquoi pas une semaine, deux semaines? Je ne sais pas encore vraiment la réponse de Dieu. Je ne suis pas convaincu vraiment de ce que je dois faire. Est-ce qu'on prend le temps? Quels que soient les projets, il faut les présenter au Seigneur et aussi parfois savoir attendre la réponse. Ah. Moi, j'attends toujours un SMS. Hein. Ça va plus vite. Hein. Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Ping! Oui, tu peux y aller. Signer Dieu. Ça serait pratique, non? Ben oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut savoir attendre sa réponse. Et des fois, c'est long. Mais au moins, quand on est convaincu, parce que le Seigneur, d'une certaine manière, au travers de la Bible, au travers de frères, il a sa manière de faire, nous donne le feu vert, j'ai envie de dire, ben à ce moment-là, on y va avec beaucoup plus de confiance aussi. Mais la leçon que je tire aussi pour nous, c'est que si nous nous disons être disciples du Christ, ou l'être, c'est pour vous coincer que je fais ça en fait. Hein. Si on se dit être disciple du Christ, ça veut dire qu'on veut suivre aussi ses directives dans nos projets. Et oui, ses commandements, par rapport à nos projets, on ne va pas faire n'importe quel projet. Si mon projet c'est d'aller voler le voisin, ça ne va pas vraiment dans les commandements de Dieu. Mais en tant que disciple du Christ, je veux lui obéir parfaitement. Et si j'ai des projets, mon premier projet normalement en tant que disciple du Christ, c'est de suivre Christ. Tu disais quoi? Croire en Dieu. Ah, plus fort, je suis sourd. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire en Dieu, ça, c'est pas vraiment un projet, ça, c'est une action plutôt. Mais c'est de faire ce que Christ me demande, et c'est de le suivre. C'est pas d'acheter un iPhone. Ça, c'est après, éventuellement, s'il est d'accord, et si j'ai les moyens. Mais le premier projet, c'est de le suivre. Et est-ce que tous les jours, peut-être, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que disciple de Christ aujourd'hui? Fais ce que tu veux avec moi. Pense pas vraiment à ça le lundi matin quand on part au boulot. Mais on devrait. J'espère des fois pouvoir avoir l'occasion de parler. Alors c'est très difficile là où je suis, mais de pouvoir parler du Seigneur un jour au moins à quelqu'un. J'ai pu le faire avec 2-3 personnes, mais pas plus. Quoi. Mais j'aimerais bien, parce que ça c'est le projet du Seigneur, qu'on évangélise, comme Camille l'a dit tout à l'heure. Mais mes projets à moi, c'est pas la maison, forcément, c'est pas la voiture, même si ça fait partie. Le premier, c'est de suivre Christ. Normalement. Donc Esdras nous apprend la bonne attitude à avoir
dans les projets et va le conduire à réussir ce voyage qui va être vraiment, vraiment béni par Dieu. Ça ne veut pas dire que tout était facile, mais Dieu va le bénir. Et la bonne main, comme on l'a dit tout à l'heure, la bonne main de son Dieu était sur lui. J'aime beaucoup ce refrain de... Bon, on imagine que ce n'est pas la main de Dieu, mais la bénédiction de Dieu était sur lui du début jusqu'à la fin de son voyage. Est-ce qu'on s'en rend compte que dans notre vie, c'est exactement la même chose? Lui, il le remarque. C'est ça, c'est pour ça que ça le réjouit et que ça le pousse à être reconnaissant. Mais est-ce que nous le remarquons? Une bonne main pour le retour à Jérusalem. D'abord, cette bonne main a permis que le roi les autorise à repartir à Jérusalem. Dieu avait travaillé le cœur du roi, et ça, ça rassurait Esdras. Il aurait pu se dire, ouais, il nous permet de partir, après, hop, il va venir nous reprendre. Non, il savait que le roi était bien disposé à ce moment-là. Bonne main pour le voyage, puisque Dieu va prendre soin de ce peuple et de tout ce qu'il va transporter jusqu'à Jérusalem. Pas de voleurs, personne qui les embête. C'est très rare. C'est même peut-être un miracle, j'ai envie de dire. Parce qu'avec tellement d'argent, les voleurs... Et puis, bonne main pour la recherche des serviteurs, parce qu'il avait une mission aussi, de trouver ses serviteurs pour le temple. C'est dans 8:18, je voulais le relire juste. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Shreba, homme de sens, d'entre les fils de Makli, fils de Lévi, fils d'Israël, etc. Toutes les personnes dont il avait besoin, ben Dieu avait pourvu pour travailler dans le temple. La vie est belle. J'ai envie de dire, la vie est belle, mais parce que la main de Dieu était sur lui. Concernant les ennemis, par rapport à cette bonne main, ben, au chapitre 8, verset 22, il dit, pour ceux qui comptent sur Dieu, ben, eux connaîtront la colère de Dieu. Mais Dieu protège celui qui veut le suivre, celui qui confie ses projets, il le protège de toute embûche et de toute difficulté. Ça ne veut pas dire que le voyage était facile, on est bien d'accord, mais ils n'ont pas été attaqués par l'ennemi, il n'y a pas eu de guerre, rien du tout. Ils ont été préservés de toutes ces attaques, des embûches pendant toute leur route. On voit là toute la protection divine de Dieu sur Esdras et son cortège. La raison de ces bénédictions, la première, c'est propre à Israël, parce que c'était le plan de Dieu à ce moment-là. Les prophètes avaient annoncé que Israël devait rentrer de nouveau dans son pays. Et Dieu inclinait le cœur d'Artaxerxès. Dieu, quand il le veut, incline les grands, les souverains de ce monde. On a beau être le plus grand, le président ou je ne sais pas quoi, Dieu peut incliner tranquillement le cœur de quelqu'un quand il veut et quand ça fait partie de son plan. Peut-être qu'il faudrait qu'on prie aussi dans ce sens-là. Parce que l'Église prie pour nos autorités. On essaie de le faire, mais on est deux, trois peut-être, le mardi. Peut-être que vous le faites chez vous, j'espère. Mais si l'Église entièrement sur la terre vraiment prenait ça à cœur, peut-être que les choses changeraient aussi. Hélas. C'est donc le plan de Dieu pour Israël à ce moment-là, c'est le temps de rentrer de l'exil, on l'a dit, c'était la promesse que Dieu avait faite aux prophètes, on voit ça par exemple dans Jérémie et ailleurs. Dieu a un temps, les choses se mettent en place et Dieu permet que le peuple rentre et c'était une vraie bénédiction. Vous savez, des fois je me dis que Dieu savait aussi ce qui allait arriver après, parce que le peuple va rentrer, reconnaissant après Dieu, on remet les choses en place et puis quelques temps après, qu'ils ont fait, on replonge dans le péché, dans l'idolâtrie et tout ça. Ah là là, quand le Seigneur nous relève, quand le Seigneur nous pardonne, il sait déjà que tout ça, ben, on va recommencer. Hélas, mais il nous pardonne quand même. Merci Seigneur. Mais il y a une part aussi de l'homme et de son attitude. C'est-à-dire quand on a un projet et qu'on le confie à Dieu et que Dieu bénit ce projet, il rappelle que nous avons aussi une responsabilité. Dans Esdras 7, verset 9 à 10, je vais le relire juste. Esdras 7 à 9, il est dit, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça va très bien avec le psaume 119 qu'on a lu tout à l'heure, enfin une partie. Il y a le projet de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu, mais il y a l'attitude d'Esdras aussi, là-dedans, qui a toute son importance. Esdras étudiait, obéissait à la loi de Dieu et l'enseignait aussi. Il était versé dans les Écritures. Ce n'était pas de la religion, il cherchait vraiment Dieu. C'était un homme de Dieu, réellement. Alors, il ne connaît pas tout ce que nous, on connaît aujourd'hui, mais avec ce qu'il avait à ce moment-là, il voulait vraiment servir fidèlement Dieu. Et c'est parce que, justement, il était comme ça qu'il va prendre 3 jours pour poser la question à Dieu, remettre le voyage entre les mains du Seigneur. C'est parce qu'il était versé dans les
Écritures. Il appliquait son cœur à étudier la parole, pas à la lire. Pas souvent, on prend une feuille de calendrier, on lit le calendrier, ça y est, j'ai lu la Bible. Ça, c'est pas étudier la Bible. C'est bien, faites-le si vous avez l'occasion. Ou alors, on a lu un chapitre de la Bible, il faut le faire. Mais des fois, il faut aussi étudier la Bible. Ça suffit pas de lire simplement. Et lui le faisait régulièrement. Et il appliquait son cœur à cela. Ça démontre en lui une profonde résolution. Il ne s'est pas dit, je connais Dieu, je connais la parole de Dieu, je vais la lire de temps en temps et puis ça suffira. Il a décidé de l'étudier. Il a résolu en lui-même qu'il avait besoin d'apprendre à mieux connaître cette parole de Dieu. On parle des commandements tout à l'heure dans le psaume 119. Si je connais un dixième de la Bible, je ne connais qu'un dixième des commandements ou de la volonté de Dieu pour moi. C'est tout. Par contre, il y a encore 90% de la volonté de Dieu que je ne connais pas dans les détails de ma vie, qui seront peut-être nécessaires, etc. Si je connais simplement qu'il ne faut pas tuer et qu'il faut ne pas voler, vous n'avez pas vraiment encore compris la volonté de Dieu pour vous. Il y a énormément de choses. Dans Esdras, j'aimerais bien un jour étudier tout le livre d'Esdras, il y a tellement de choses à apprendre là-dedans, des commandements et des choses qui me servent à moi. Mais si je n'ai que 10% de la volonté de Dieu, je risque à un moment de me perdre dans mes projets, dans mes attitudes, dans ce que Dieu veut pour moi, tout simplement. Et lui, il était résolu à l'apprendre. Alors, il faut du temps pour apprendre la Bible, on ne peut pas tout savoir. Mais est-ce que j'ai résolu dans mon cœur de l'apprendre ? C'est ça la question. Il se sait aussi, comme il dit au chapitre 8, verset 23, il se sait déjà exaucé. Il dit, la bonne main de notre Dieu est sur le bien de tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, point, et il nous exauça. Pour lui, il savait déjà que les choses allaient se faire. Quand on présente un projet à Dieu, on se dit qu'il va répondre. Ça veut dire qu'il va nous exaucer. Alors l'exaucement, c'est des fois de dire non, ça associe un exaucement. Mais si je prie en cherchant la volonté de Dieu pour un projet, mais que je n'attends pas la réponse, ça ne sert à rien de prier. Absolument à rien. Il faut se savoir déjà exaucer, que ce soit positif ou négatif. Par la foi, je sais que Dieu va me répondre. Et ils vont, en arrivant, offrir des sacrifices. Et ils vont obéir tout simplement au roi et à ses ordres. Mais vous voyez là, autant il y a la bonne main de Dieu sur le projet, mais Esdras, par son attitude d'abord d'homme de Dieu, va obéir tout simplement au roi et à ce que Dieu lui demandait à ce moment-là. Il y a la responsabilité de l'homme aussi dans les projets. Il ne faut pas laisser faire que Dieu. J'ai ma part, moi, là-dedans. Si Dieu veille sur nous, nous avons notre responsabilité. Chapitre 8, verset 29, il disait « Soyez vigilants ». Et prenez cela sous votre garde, soyez vigilants. Il vient de remettre le projet entre les mains de Dieu, la bonne main de Dieu. Il se sait déjà exaucé, mais papa, youpi, tout va bien. Il est vigilant. Il fait quand même attention à ce qui va se passer. Et ça, c'est important aussi. On confie le projet de Dieu, le Seigneur nous permet de le faire, mais après, nous avons notre responsabilité de rester quand même vigilants. Et surtout quand lui, il avait tellement d'argent, donc forcément, il fallait faire attention. Donc, il n'a pas fait le voyage comme ça, les mains dans les poches. Il restait vigilant. Il faisait attention qu'il n'y ait pas d'ennemis, les attaques, etc. Il a tout mis en place pour que ce projet aboutisse. À nous de ne pas nous mettre aussi en danger. On se dit, voilà, Dieu a accordé le projet, on y va tranquillement, les mains dans les poches. Et puis, à un moment, bah, boum, on tombe dans une impasse, dans le danger. Et là, on crie à Dieu, mais et Dieu dit, oui, mais attends, moi, j'ai ma part. Et toi aussi, tu as ta part et d'intelligence. Et sois vigilant quand tu es en train de travailler. Ne dilapide pas ton argent, même si le projet était OK. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Les deux travaillent ensemble. J'ai ma responsabilité et la bonne main de Dieu sera sur moi. La leçon pour nous, c'est que Dieu veut poser sa bonne main sur nous. Dieu le veut. La question, c'est est-ce que je lui demande ? Est-ce que je le veux moi ? Des fois, on se dit, ouais, mais de toute façon, Dieu le fera parce qu'il est Dieu et qu'il a intérêt à le faire, et puis voilà, c'est Dieu. Ben là, Esdras est allé chercher quand même la bénédiction, entre guillemets, même si Dieu allait le bénir, mais il s'est quand même approché de Dieu, il s'est humilié devant le Seigneur, il a demandé à Dieu de l'aider dans ce projet-là. Il n'a pas laissé Dieu faire tout. Et ça, je pense que Dieu agrée comme attitude. Il veut nous accompagner dans les projets, il va mettre sa bonne main sur nous, mais il veut aussi qu'on s'humilie devant lui, tout simplement, pour qu'on lui dise « Je ne dépends que de toi. » Avec ma responsabilité, mais je ne dépends que de toi. J'ai besoin de toi, même si tu as donné le top départ, j'ai besoin de toi pour aller jusqu'au bout.
il faut prendre le temps de se mettre à genoux et de lui demander. Alors la bonne main de Dieu sera sur nous. Prenons-nous aussi le temps de le remercier. Il va être arrivé, il va remercier Dieu. Il avait déjà remercié avant même que le projet soit accompli. C'est formidable, ça. C'est qu'il avait vraiment confiance en Dieu. Mais quand un projet se réalise dans notre vie, même les petits projets, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on dit merci au Seigneur? On peut le faire le dimanche matin, hein, parce que des fois, ben, vous ne savez pas quoi dire dans vos prières, ou parce qu'on est timide ou quoi. C'est bien de dire au Seigneur simplement, merci pour ma semaine, ça s'est bien passé. C'est quand même bien quand une semaine se passe bien, non? Ça ferait quand ça se passe mal? Non, mais tout le monde me dit non. Hein. Ben oui, mais c'est bien de lui dire merci pour ces petites choses, ou alors si vous aviez un projet, ben, dites-lui merci. Des fois, c'est bien de le faire dans son cœur, mais le fait de le faire publiquement, j'ai envie de dire, ou peut-être par forme de témoignage, hein, parce qu'on peut le faire pendant la présidence, ça permet aux autres aussi de voir que Dieu travaille dans les uns, chez les uns et les autres. Et moi, j'aime bien entendre les témoignages des autres, de voir comment Dieu a travaillé dans la vie de l'un, travaillé dans la vie de l'autre. Hein. Si on garde tout ça pour nous, bon, c'est bien pour nous, mais c'est bénéfique pour les autres aussi. Mais commençons par remercier le Seigneur. Et la troisième leçon qu'on vient de voir, c'est pour autant, soyons vigilants, hein. Nous avons notre rôle à jouer dans tous ces projets. On ne parle pas n'importe comment, je fais attention, puisque Dieu met sa bonne main sur moi, je vais me dire, alors je vais faire très attention, puisque le Seigneur m'accompagne là-dedans, je vais prendre ma part de responsabilité. Dieu bénit celui qui se confie en lui. Amen. Eh oui, il nous bénit. Alors celui qui se confie en lui et qui a un projet et que le projet avorte, merci Seigneur. Yeah. Non. Vous remerciez le Seigneur quand ça se passe pas comme vous voulez. Il faudrait normalement. Hein. C'est ça. Ouais. C'est tellement mieux quand tout va dans le sens de notre cœur. Mais remercions le Seigneur aussi quand les choses ne vont pas comme il veut. Hein. Pour terminer, ce voyage d'Esdras doit nous rappeler comment on bâtit nos projets. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais voilà, j'ai un projet, j'ai peut-être une situation dans ma vie. Voilà, je ne sais pas comment trop faire. Je suis tout heureux peut-être parce que je vais pouvoir le mettre en place. J'ai peut-être les moyens. Mais avant de partir avec précipitation et faire les choses à vue d'homme, je m'arrête. J'inclus Dieu dans ce projet. Ça veut dire que je vais prier. Je ne vais pas me précipiter parce que je dois encore prier. Je vais patienter un petit peu pour être sûr parce que je vais encore prier. Bah oui, je fais exprès. Hein. Parce que la prière, je crois, est importante dans nos projets. Et je vais accepter finalement la volonté de Dieu, qu'elle soit positive ou non. C'est comme ça qu'on présente un projet devant le Seigneur. Dieu veut bénir ses enfants, mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons aussi notre responsabilité. Je pense que des fois, on gâche les projets de Dieu dans nos vies, à cause de, je vous ai parlé d'une chose. Mais on n'est pas pressé. Le Seigneur, la bonne main de Dieu est sur nous. Prenons nos responsabilités. Le Seigneur agira selon son temps. Que la bonne main de Dieu soit sur tous vos voyages et tous vos projets. Et que le Seigneur vous bénisse selon sa bonne volonté. Amen. Seigneur, merci pour l'histoire d'Esdras, de Néhémie aussi, pour ce retour d'exil, prophétie qui s'accomplit, qui démontre bien que tu gères l'histoire de ce peuple et que tu es souverain sur toute la terre. Moment de joie, certainement pour Esdras et pour le peuple de revenir aux racines, de rentrer dans son pays. Moment de joie, mais qui ne pousse pas à la précipitation, qui rappelle que dans les projets, nous avons besoin de te les confier. Même si c'est ton projet, nous voulons t'inclure tout simplement dans ce projet. Nous voulons que tu participes à ce projet, que tu le mettes en place. Seigneur, apprends-nous à justement agir de cette manière-là, à être patient, à prier, comme on l'a dit plusieurs fois, et à te demander simplement la bonne direction. Je te prie pour les projets de notre Église, tout simplement, et nous ne voulons pas aller plus vite que toi, et apprends-nous à prier aussi pour cette église, pour le projet que tu as pour elle. Je ne les connais pas par avance, Seigneur, mais je sais que tu veux la faire grandir. Je sais que tu veux que des gens soient sauvés. Je sais que tu veux que nous témoignions. Alors voilà nos projets. Aide-nous, parce que nous avons notre responsabilité là-dedans. Aide-nous à faire grandir cette église avec toi et que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.